Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien en ce 20 septembre 2020. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec CoinGecko pour le prix du XRP qui est à 32,55 cents, légèrement en hausse depuis une semaine à 1,9. Capitalisation boursière, moins 1,5%, rien d'impressionnant. Et toujours la prédominance Bitcoin, Ethereum et Tether. Le gaz du... d'Ethereum très très cher encore à 102. Alors, la map, heatmap, pas mal dans le rouge, rien de spécial à dire ici. Fiat Leak, 24,68 cents, légèrement en baisse. 1 300 000, ouais, j'ai pas vu ça depuis quelques temps là, à cette heure-là. Alors, c'est bon signe, il y a pas mal d'échanges en Asie, comme par exemple ici, 418 000. Quelqu'un qui a acheté 418 000 XRP. Tout ce qu'on voit en passant pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est de l'argent qui est injecté, le fiat money, là, de l'argent papier. Alors là, c'est tout de l'argent qui rentre sur les marchés. Ben, le marché du XRP présentement. Parce que c'est lui que moi je suis que je suis et que ma chaîne est basée sur. Alors, on voit que présentement, il y a comme pas mal d'actions, là. Mais j'ai déjà vu ça ici monter, mon record, là, c'est à 24 millions de transactions par minute. Mais ça a juste duré, comme quelques minutes, et après ça, c'est retombé normal, et selon qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter, puis l'entourage que je courtoie sur Internet, c'était qu'ils ont testé le système, ben dans le fond, le nouveau système financier qui s'en vient, puis ils l'ont juste comme testé comme quelques minutes à travers tout le monde entier, dans toutes les banques, puis c'est pour ça qu'il y a eu un gros achalandage pendant peu de temps. Comme ça, ça n'a pas alarmé personne, mais ceux qui étaient en ligne comme moi ont eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis c'était impressionnant. Plus la pastille est petite et plus elle circule vite, c'est que c'est un gros montant d'argent. Et plus elle est grosse, plus c'est un petit montant d'argent. C'est le contraire, dans le fond. OK? Alors, on commence avec cette nouvelle-là que je trouve importante. C'est qu'au Japon, presque toutes les banques commencent à adopter XRP. Ça vient de Rakuten, David Jevan, décembre 2019. Je vais vous faire entendre qu'est-ce qu'il dit là, c'est pas compliqué. Vers la fin, il va nommer XRP. Soyez attentifs. C'est en anglais malheureusement, ok? So there's over 1,600 cryptocurrencies today that use blockchain. So all of us have probably heard about Bitcoin. Some of us about Ethereum. In Japan, almost every bank is starting to work with something called XRP, or you may know it as Ripple. And there's many others. Voilà. C'était dit. Alors, vous voyez. À un moment donné, il faut allumer que XRP, c'est l'heureux élu dans toute cette histoire-là, puis qu'ils ont tellement de clients et d'endroits où ce que c'est tout déjà préétabli, il suffit juste, comme on dit, de mettre la switch à on. Puis ça, ben, c'est une question de temps, puis le temps, je sais que les gens veulent pas attendre, puis qu'ils voient que le prix du XRP est toujours à 32,55 cents. Vous devriez être content que le prix soit ce prix-là. Parce que à 32 cents, là, vous en avez 3 pour 1 $, là. Ça n'arrivera peut-être plus jamais là, dans toute l'existence d'XRP. Puis ça, on parle de, ça peut être d'ici demain, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. On s'en fout, mais le prix là, de 32 cents, là, c'est pour vous faire voir que dans le fond, c'est une distraction. Parce que le système, mais qu'il soit lancé, il va être lancé, croyez-moi. Ça va décoller en flèche, puis le prix ne restera pas longtemps à 32 cents. OK, la deuxième nouvelle, je voulais parler un peu ici des marchés qui existent dans le monde. Le petit point noir que vous voyez ici, ça, mes amis, c'est la crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça représente? C'est tellement minuscule qu'il n'y a même pas de chiffres de marqué, parce que tout ce qu'on voit ici, c'est des trilliards de dollars. Tout ça, là, ici, là, qu'on voit, là, tout au complet, là-dedans, là, peu importe, je décide mal, là, ouf. OK, tout ça, c'est tout des trilliards de dollars. Alors, pour vous montrer que ça coûte rien à date, mais pas que ça coûte rien, mais que le montant d'argent qui est investi dans le monde entier est minuscule, contrairement au marché de l'or, ok, gold market cap 7,8 trilliards, le marché des actions 77 trilliards, l'argent papier, ok, physical money 43 trilliards, je pensais que c'était plus que ça, tout l'argent dans le monde 95 trilliards. La dette nationale des États-Unis, c'est une catastrophe, 21 trilliards.
la dette globale dans le monde, 184 trilliards. Le marché immobilier, OK, combiné résident là, avec commerce puis agriculture, là, bon, 217 trilliards, c'est énorme. Et le marché dérivé, ça, c'est incroyable, c'est 532 trilliards. Et devinez quoi, la grande nouvelle là-dedans? C'est que XRP, eux, ils s'attaquent à quoi dans tout ça? Ils s'attaquent au marché dérivé. Alors, si vous faites des calculs, comme par exemple, on va dire, OK, 532 trilliards, OK, 532. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est millions. 1, 2, 3 milliards. 1, 2, 3 trilliards. Ça, on va dire que Ripple ont peut-être généré 1% de tout ça. OK, alors 532 fois 1, fois 1, divisé par 100, fait qu'on enlève 2 zéros. Oups, j'ai fait une erreur. OK. 532, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fois 1 divisé par 100. 5.32, bon, exponentielle. OK, c'est pas compliqué. Le chiffre est ici. Là, on enlève 2 zéros. Si on multiplie ça par l'offre en circulation qui est de 45 milliards. OK. Ça, c'était improvisé. Là, j'ai pas planifié ça de faire ça, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Là. 532. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, OK, divisé par 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça, c'est minimum à 1%, là, le XRP. Il coûterait 118 $ pour un XRP. Puis ça, c'est juste à 1% du marché. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a juste 1% du marché que Ripple Net vont réussir à avoir, franchement. 1%, c'est parce que c'était juste pour vous montrer un exemple. Alors ici, 532 trilliards, là, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher peut-être au moins 10% du marché minimum. 10% d'être déjà rendu un XRP à 1000 $. Puis là, 10%, c'est mon minimum, là. Moi, dans ma tête, XRP, c'est 1000 $ minimum. Je fais ma prédiction, je vous le dis tout de suite, c'est 1000 $ pour 2025. Gros max. Alors, je peux même vous le marquer ici, là. La prédiction, 1000 $ pour 1 XRP en 2025. Pourquoi 2025? Parce que Swift, leur système se termine en 2025. Après 40 ans, fait qu'ils vont devoir changer ou s'associer ou peu importe là, avec quelqu'un d'autre, mais leur contrat finit, fait que c'est pour ça que je me base sur 2025, ça va être une grosse année pour les crypto-monnaies. Alors moi, je pense que la prédiction, elle est juste, on va voir avec le temps si j'ai eu raison. OK, alors c'est improvisé, mais des fois, ça fait du bien de faire aussi des vidéos qui sont pas toujours planifiées comme qui devraient être, là. Ça vous démontre que je suis quelqu'un qui sait ce qui s'en va, puis que tout ce que je dis, ben c'est basé sur des chiffres, puis j'invente pas des trucs, là, c'est en temps réel. OK. Alors, Gemini, appelez-le comme vous voulez, propriété des frères Winklevoss, assure désormais la garde des domaines .crypto, excellente nouvelle, de la blockchain. Ça, j'étais pas au courant. Vous montrer avant c'est qui les frères jumeaux Winklevoss, c'est eux autres. Ils sont multimillionnaires, là, ça fait quand même assez longtemps. Ça fait un bout, puis le Gemini, ça a un gros succès quand même. J'ai déjà acheté, je pense, ma première crypto-monnaie sur leur site. OK. Alors, l'échange de crypto-monnaie américain réglementé Gemini a lancé un service de garde pour les domaines web.crypto de la société blockchain Unstoppable Domain. Ouais, je vous conseille d'aller voir Unstoppable Domain,
C'est vraiment hot. Vous pouvez avoir votre nom de domaine décentralisé que personne ne peut mettre down, même pas la police, rien. Puis pour 40$, vous avez ça à vie pour un nom de domaine. Puis en plus, vous pouvez avoir un site web qui va avec, gratuit, que vous montez. Puis là, ben ils ont lancé le service de courriel, que je crois peut-être gratuit jusqu'au la fin 2020. Alors, dans une annonce partagée avec CoinDesk, jeudi, Unstoppable a déclaré que les bureaux d'enregistrement de domaine utiliseraient les services de garde Gemini lors de l'achat d'adresses .crypto pour leurs clients via son service. Les domaines blockchain sont basés sur des jetons non fongibles, NFT, construits au-dessus du réseau Ethereum et fournissent un accès web décentralisé. Parfois appelés jetons, objets de collection, cryptographiques, les NFT sont des jetons numériques qui peuvent prendre différents attributs. Ils sont détenus par des utilisateurs dans des portefeuilles numériques, ce qui signifie qu'ils doivent être soigneusement conservés de la même manière que les crypto-monnaies. En passant, si vous voulez mettre votre crypto quelque part en sécurité, sans aucun doute, vous devez faire affaire avec Ledger. Achetez-vous une clé Nano S pour commencer, là, c'est comme genre 80$. Après ça, ou une Nano X si vous avez plus de crypto. Et Nano X en plus, ben, elle est sans fil, là, alors c'est encore mieux. Moi, j'ai une Nano S, mais je regrette un peu de ne pas avoir pris une Nano X. C'est plus le fun de sans fil. Pas USB. Unstoppable, qui est soutenu par la société de capital Risk Draper Associates, offre en outre ce qu'elle dit être des sites web résistants à la censure qui ne peuvent pas être supprimés par les autorités gouvernementales et les fournisseurs de domaines traditionnels. Quand vous allez comme confirmer votre nom de domaine, vous allez devoir avoir un portefeuille, là, comme par exemple MetaMask, pour aller confirmer votre nom de domaine sur la blockchain puis tout. C'est un processus qui est facile de suivre les étapes, si ça vous intéresse. Gemini, fondé par Cameron et Tyler Wickenboss, détient BitLicense dans l'État de New York en tant que société de fiducie, ce qui signifie que la bourse a fourni des services liés à la cryptographie dans la juridiction. C'est aussi un dépositaire qualifié. Fait que les autres sont en règle, puis si vous faites affaire avec eux, votre argent est en sécurité. OK, c'est eux autres. Ça, c'est une photo qui date de 5 ans, là, mais c'est la première que j'ai trouvée là, sur Google Images. OK. Ensuite, on continue avec l'Uruguay. La société uruguayenne de paiement D-Local, je vais vous montrer pourquoi que je parle de D-Local, évaluée à 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'un accord mené par General Atlantic. La société de paiement D-Local Group est devenue l'une des sociétés de capital risque les mieux financées d'Amérique latine grâce à un nouvel accord qui valorisait l'entreprise à 1,2 milliard de dollars. La société D-Local basée à Montevideo en Uruguay, qui aide les entreprises internationales à traiter les paiements sur les marchés émergents, a levé 200 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement par action de croissance dirigé par General Atlantic avec la participation de la société Addition de Lee Fixer. Et pourquoi je vous montre ça? Pour vous montrer que D-Local, ils sont un partenaire de Ripple. Et oui, parmi les 5 ici, le fournisseur de paiement européen et asiatique, là, une nouvelle qui date de 2018, je vais vous montrer que D-Local, c'est un partenaire de Ripple et c'est le premier partenaire. Alors, c'est le plus ancien. Okay, Ripple, qui a des bureaux en passant, si vous ne savez pas, à San Francisco, New York, Londres, Luxembourg, Mumbai, Singapour, Sydney. C'est ça quand je dis étudier une compagnie puis la connaître comme le fond de sa poche, comme on dit là au Québec, je sais pas si c'est une expression partout dans le monde là, ou en France, là, mais ça, c'est de savoir avec qui qu'on fait affaire, puis quand on sait avec qui qu'on fait affaire, puis que les fondamentaux confirment qu'est-ce qu'on pense de la compagnie là, qui est solide, ben le prix n'a rien à voir. Alors encore une fois, si les gens me parlent du prix ou ils m'écrivent pour me dire que le prix est juste à 32 cents puis que ça va nulle part depuis 2 ans. Allô, tout le monde. Hey, comment, si le prix est à ce prix-là, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent que vous vous intéressez pas à cette compagnie-là, puis que vous découragez, puis que vous vendiez toutes vos XRP, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Les riches, ils veulent toujours
que les pauvres s'appauvrissent. Alors, c'est ça. Je disais ici que ça a été annoncé que RippleNet servait, bon, 100, c'est plus ça, mais c'est 300 institutions financières. Bex, Banco, Air Wallex, Crédit Agricole, ce sont en France, je pense, Crédit Agricole. QLX, Securency Direct, D-Local, IFX, Crowns, Cree, RackBank, je connais pas tout ça, TransferGo, je connais là. OK. Et ensuite, D-Local ajoute WeChat Pay, Alipay et UnionPay au portefeuille de paiement des marchés émergents. Ça, c'est aussi une vieille nouvelle, mais comme je vous ai dit, il faut être au courant des vieilles nouvelles pour comprendre maintenant, en 2020, avec qui Ripple fait affaire. Alors, D-Local, une société fintech spécialisée dans les paiements transfrontaliers pour les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui intégrer WeChat Pay, Alipay et UnionPay, les trois principaux fournisseurs de paiements numériques de Chine. Dans ces plateformes primées, ces trois fournisseurs captent collectivement 70% du marché chinois, ce qui se traduit par 2,9 billions US de paiements. En ligne, en 2016, avec cet ajout, D-Local permettra aux marchands mondiaux d'atteindre 300 millions de consommateurs chinois. Maintenant, on s'entend que c'est plus que ça, c'est une vieille nouvelle de 3 ans. OK. On continue ici avec Kokanemen. C'est une traduction, hein? C'est pas bon là. Lui, il donne des très bonnes nouvelles, ce monsieur-là. Alors, le logiciel bancaire Temenos, qui est client de Ripple, sera disponible sur Alibaba Cloud, comme Azure de Microsoft et AWS, Amazon Web Server, ouvrant la Chine à la plateforme de banque de cloud là, compatible avec Ripple aux banques et entreprises qui choisissent de l'utiliser. Alors ça, c'est une excellente nouvelle, Temenos qui s'en va tout dans le cloud là. Alors, vraiment, là, sérieusement, c'est juste des bonnes nouvelles. Ici, je voulais vous parler de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur quelque chose, là. De Mojaloub. Les gens, peut-être, qui savent c'est quoi. C'est la fondation de Bill et Melinda Gates. Mojaloub est une puissante plateforme de logiciels open source qui promet d'améliorer l'interopérabilité des systèmes de paiement, ce qui rend plus facile et plus abordable l'envoi et la réception d'argent. Je vous en parle parce qu'ils sont partenaires avec Ripple, OK? C'est pour ça que je lis ça, là. Et on n'importe quoi pour rien, là. Alors, ce qui rend plus facile, bon, abordable, la réception de paiement, bien entendu, en particulier sur les marchés émergents. Depuis la création de Mojaloub, en 2017, Ripple a été impliqué avec la fondation en fournissant des conseils techniques et un soutien technique. Aujourd'hui, Ripple rejoint la fondation, OK, ça c'est une nouvelle de 16 septembre 2020. C'est récent. Rejoint la fondation Bill et Melinda Gates et de collaborer avec les autres membres. Koi, si vous connaissez pas c'est quoi Koi, puis vous êtes quelqu'un qui aime écrire puis bloguer, allez là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Koi, je sais pas si c'est .com. Voilà. Ça paye d'écrire, pour écrire du contenu, ça paye. Puis ensuite, les gens, ils peuvent s'abonner tant par mois à votre contenu. C'est super populaire. Tout le monde que je suis, moi, les Anglais, ils sont tous là-dessus, quoi, et puis ils ont tous un contenu super intéressant, puis ils chargent genre 4-5 piastres par mois, des choses comme ça. Puis ça, ben, bien entendu, quoi, on a des liens, on peut en faire plein, là. Quoi, c'est un partenaire de qui vous pensez? De PID. Et PID, ils sont partout, là. Ils ont vraiment comme 40 partenaires solides. Puis Koi, ben ils sont avec PID. C'est sûr, là, tout ça, c'est planifié d'avance. Ils ont pas créé PID, un site comme ça. Puis du jour au lendemain, puis on arrive, puis on essaie de le faire connaître, là. PID, en passant, pour ceux qui le savent pas, c'est très, très simple, là, d'utilisation, là. Je vais vous montrer. Parce qu'on sait jamais, là, j'ai toujours des nouveaux abonnés ou des gens qui sont nouveaux sur la chaîne. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi PID, avec un compte européen, des bitcoins par exemple, une carte Visa ou entre particulier à particulier, là, on passe par PID
et on va avoir un courriel, pas un courriel, une adresse qui ressemble à un courriel, mais au lieu d'avoir un signe de arrobas, là, en commercial, ça va être un signe de dollar. Alors, Alice, signe de dollar, exemple.com, vous utilisez ça pour vous faire payer et recevoir votre crypto-monnaie. Et là, j'étais en train de montrer c'est qui est client. J'ai dit Koi. OK. On va l'avoir vu tantôt. Ah, il est ici. C'est parce que en traduisant en français, c'est Koi, c'est pas Bobine le mot. Là. C'est, je ne l'ai pas vu. Alors, ils sont ici comme clients. OK. Alors ici, en plus d'être avec Koi et Google, pour qu'ils puissent œuvrer en faveur d'un avenir plus inclusif. Google aussi sont impliqués là. Ils en parlent pas beaucoup, mais ils sont impliqués aussi. Surtout, partout on peut comme accéder aux services financiers numériques nécessaires pour se connecter à l'économie mondiale. C'est comme ça que ça va fonctionner plus tard. Monogram, un partenaire de Ripple, pour ceux qui ne le savent pas depuis comme genre mars, avril ou mai, je ne sais pas trop quoi, là, 2020, ils sont partenaires à 20%. Ils ont acheté 20% de Monogram Ripple. Prolonge sa série avec une croissance massive des transactions. Eux, on dit qu'ils travaillent dans le noir, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais Monogram, c'est très, très gros. Là. La principale société d'envoi de fonds Monogram a enregistré une augmentation de 162% des transactions transfrontalières en août sur une base annuelle selon son communiqué de presse le 17 septembre. En notation ici, la poursuite de cette super performance en septembre montre à quel point les consommateurs du monde entier apprécient la vitesse de notre transformation numérique ainsi que notre expérience client moderne, mobile et axée sur la mission. Leur expérience là, d'appréciation de vitesse de transformation, là, c'est RippleNet. C'est carrément ça, mais ils ne le diront jamais dans un communiqué de même. Mais qu'est-ce qui les a aidés, par exemple? C'est à cause du COVID, là, malheureusement. Là, c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont battu des records. Là. Alors, récemment, la société a considérablement étendu sa présence dans la région africaine qui compte un grand pourcentage de personnes non bancarisées et sous-bancarisées. Fin août, elle a également eu accès à des portefeuilles mobiles dans 28 marchés en concluant des accords avec la société de télécommunications Airtel Africa et des sociétés de paiement numérique locales. Alors, let's go, on continue. Monogram, c'est super d'avoir un client comme ça. Ici, Bitrue, qui ont lancé une nouvelle paire de trading, le XRP Uniswap. Alors, si vous voulez trader, vous êtes trader ou day trader ou peu importe, position trader, swing trader, scalper, peu importe, ben XRP Uniswap est disponible sur Bitrue. Alors, allez voir si ça vous intéresse. Et merci à CryptoWolf pour m'avoir donné cette nouvelle-là. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui utilisent Coinbase Pro. Désormais, je suis désolé de vous annoncer que vous allez payer des frais pour retirer votre crypto parce qu'ils disent que les coûts du réseau ont augmenté. Alors, Coinbase, sérieusement, vous commencez à me décevoir. Moi, j'ai pas beaucoup de crypto-monnaie là-bas. Là. Je me garde le minimum d'XRP pour que quand ça va monter à un certain prix, que j'en retire une certaine quantité. Parce que pour l'instant, vu que c'est pas régulé dans un échange comme qui est au Canada ou quelque chose comme qui est proche de chez moi, ben, je suis obligé de passer par Coinbase pour changer mes XRP, les convertir, puis les envoyer dans PayPal, puis de PayPal à mon compte de banque. Alors, à date, Coinbase, c'est la seule, ben pas la seule solution, là, c'est une des trois solutions que j'ai trouvées pour encaisser quand on vit au Canada. Sinon, j'ai trouvé comme avec Bitstamp, qu'on peut faire un wire transfer. Alors, ça vaut la peine de payer 25$, malheureusement, de dire ça à Swift, de payer 25$ pour que j'ai mon argent avec XRP s'il y a un bull run, là, puis que je décide de vendre une partie de mes XRP. Sinon, c'est assez difficile d'encaisser. Je trouve pas énormément d'endroits là, avant que ça soit vraiment établi. Là. OK, fait que bravo à Coinbase. Vous me décevez de plus en plus. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec leur site pour le prochain bull run. Là. Apparemment, en 2017,
2018, le bull run, ils ont eu plein de problèmes. Le monde pouvait même pas encaisser comme qu'il voulait. Puis le site a gelé, puis tout, là. OK. Alors, ça, ben, je trouve ça drôle d'en parler. Ça s'est passé, là, 2 jours, mais moi, j'ai comme pas pensé faire une nouvelle de ça, mais ça vaut la peine. Il y a eu un glitch sur quelques endroits, là, sur Internet, sur des échanges avec le XRP. Et le XRP, il a glitché à 50 984. Oui, vous avez bien entendu. 50 984. Regardez. Ça, c'était plus sur Coin Codex. On voit XRP Price, qui est 24 cents. All Time High, qui est le ATH, ça veut dire All Time High. 50 000 $. Alors, c'est ridicule, là. C'est vraiment un glitch qu'il y a eu, là. Ça n'a pas monté ce prix-là, là. Peut-être un jour, on sait jamais. Pourquoi pas? Le Bitcoin, je suis sûr et certain qu'un jour, il va monter à 50 000. Pourquoi pas le XRP? Au moins, le XRP, c'est utile, ça sert à quelque chose, là. Le Bitcoin, il sert à quoi? Trouvez-moi une fonction du Bitcoin à part dépenser de l'énergie puis payer cher de transactions. Ça sert à quoi? Faire des achats en ligne, ça s'arrête là, pas plus que ça. Mais ça n'aide pas personne dans le monde entier là, à faire une transaction pour sauver de l'argent. Là. En plus, ben, ça fait juste polluer puis ça coûte super cher. Puis le minage, ben, pour ceux qui minent, mauvaise nouvelle pour vous autres, ça ne va pas durer longtemps. Puis, en plus, une autre mauvaise nouvelle pour Bitcoin, ben, 60% des bitcoins sont contrôlés par la Chine avec 4 mineurs. Alors, si vous pensez que les bitcoins, vous allez encore faire de l'argent en minant ça chez vous avec votre petit ordinateur, votre carte graphique, je pense pas que ça va durer longtemps votre activité. Je suis pas là pour vous blesser quoi que ce soit, je suis là pour vous dire la vérité. OK? Alors, je procède aux autres photos pour vous montrer. Là, on voit là ici là encore là, sur la photo, 50 000 $. OK? Ensuite, on voit ici encore là, ça c'est automatique, ce texte-là, à chaque fois qu'il y a un changement de prix, ça marque XRP price is currently, OK? Mais après ça, on voit que le all-time high, 50 000 $. C'est très, très drôle là, de voir qu'il y a des erreurs comme ça. Il y avait déjà eu une erreur aussi, il n'y a pas longtemps, là, ça est monté à 2000 piastres. Puis on voit encore ici, ce qui est ridicule, là, le volume en 24 heures, au lieu d'avoir un volume genre de 200 millions de dollars, 7 trilliards 360 millions 606 000. Alors, on voit bien que c'est ridicule, là, puis que c'est comme si qui contrôlait 96% de tout le volume. Mais qu'est-ce qui est étrange dans la catégorie des dérivés? Des fois, je me dis qu'il y a un glitch, peut-être que... Puis ça, c'est ce Kraken, ça. C'est un peu étrange, parce que les dérivés, c'est là-dedans qu'ils s'en vont, XRP. Vous imaginez si un XRP peut valoir le prix de 50 000 $? Les dérivés, vous vous souvenez la photo que j'ai montrée ici, là? S'ils s'attaquent à ça, puis qu'ils contrôlent plus que 10%, il faudrait qu'ils contrôlent vraiment comme plus que de la moitié, là, pour que ça monte à un prix intéressant de même. Intéressant. Un prix astronomiquement, ridiculement cher, là. À ce prix-là, on est des multimilliardaires, tout le monde, là, qui ont des XRP. En passant, ceux qui ont pas de... qui connaissent pas la XRP Rich List. XRP. On peut voir ici ceux qui détiennent le pourcentage des XRP que le monde détienne. Okay? Comme par exemple, pourcentage par account. Si vous possédez 3000 XRP, vous êtes dans le 10% des gens qui en possèdent le plus dans le monde. Si vous en possédez 10 907, excusez-moi, vous êtes dans le 5%, et ainsi de suite. Pour être dans le top 1%, vous devez en posséder 83 000. Okay? Si vous voulez être dans le top 1%, vous allez devoir dépenser 82 000 XRP, on va arrondir ça là, fois 0,33 cents. Vous allez devoir dépenser
270 000 $ si vous voulez en posséder autant. Si tu fais un bon calcul. Non, j'ai marqué 820 000, mais c'est 82 000. Je me suis trompé. 80 000 $ fois 0,33. Alors là, ça fait plus de sens. 26 000. Ça coûterait 25 000 $ pour en posséder 80 000. En date d'aujourd'hui, le 21 septembre 2020. OK? C'est juste pour vous montrer un exemple. Alors, ça, c'était pour les glitches. C'est la XRP Rich List. Vous pouvez les mettre aussi par ordre de compte. Comme par exemple, ceux qui possèdent, on va dire, 5000 XRP, il y a 53 000 comptes. Mais un compte, moi, je peux posséder 4 comptes, là. Ça ne prendra pas en charge les 4 comptes. Alors, on présume que c'est approximatif. Alors, 53 000 comptes possèdent au moins 5000 XRP pour un total de 367 millions d'XRP. Alors, si vous voulez voir ceux qui possèdent 1 milliard d'XRP, OK, 1 milliard, là. Chris Larson, le chairman, Brad Gallinghouse, après ça, David Schwab, le CTO, lui qui a créé le Ledger, ben, il y en a 7 personnes. En partant, il se dit, Jeb McCaleb, l'ancien cofondateur de Ripple qui est rendu pour XLM, Stellar, lui en possède sur 1 milliard, là, même s'il est en train de liquider. Alors, il y a 7 personnes qui possèdent 1 milliard et plus. 9 personnes qui en ont 500 millions. 53 qui en ont 100 millions. C'est incroyable, hein, pareil. Hein? On en fait des chiffres. Juste en avoir 1 million, il y a quand même 758 personnes qui en possèdent 1 million. Ça fait réfléchir. Ensuite, ben, on peut voir d'autres trucs là, ici. Là, si vous mettez votre adresse de portefeuille, vous allez voir combien que vous en possédez exactement, puis votre classement. Vous irez jouer avec ça, c'est super intéressant. OK. Dans le fond, j'ai fini ma vidéo. C'était beaucoup plus long que prévu parce que j'ai parlé de choses pour improviser, parce que je tiens à dire que moi, ma chaîne est spécialisée sur Ripple XRP. Mais j'adore toute la crypto en général et j'essaie de comme faire des vidéos aussi qui parlent d'autres cryptos que j'aime, comme VeChain, VET, Stellar, j'ai pas encore parlé vraiment, puis fait des vidéos. Cardano, des monnaies numériques que je possède. Hedera, Hashgraph. Mais tu sais, c'est comme, avec le temps, ça va venir, je commence. Ça fait juste un mois là que je suis sur YouTube. Et maintenant, ben c'est ça, là, je commence à avoir des vues, là, mes vidéos, là, de 97 vues, 27, 34, 80, 113, ma dernière vidéo. Je suis super content. Merci la gang pour me soutenir, puis de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça me touche. Et j'espère que ça va grossir avec le temps. Puis je vais essayer de faire en sorte que mon contenu soit toujours bon. Puis je suis là pour répondre à vos questions à chaque jour. Je suis toujours connecté, là. Si je suis pas derrière mon écran, je suis avec mon téléphone. Puis je suis toujours connecté sur YouTube. Alors, merci de vous avoir d'avoir écouté et abonnez-vous à CryptoAli. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.